Le 23 mars 2006 restera toujours une date qu'Inès de la Fressange n'oubliera jamais. Pour cause, c'est lors de cette journée que l'ancienne mannequin avait appris la mort de son premier époux, Luigi D'Urso. Un homme d'affaires italien qu'elle avait épousé en 1990 et avec qui elle a accueilli deux filles, Naïne et Violette. Pour rappel, le père de famille, qui avait seulement 55 ans à l'époque, avait été retrouvé mort dans son appartement parisien. En ce qui concerne les causes de son décès, il a été indiqué à l'époque que Luigi D'Urso s'est éteint des suites d'une crise cardiaque survenue ce jour-là. Aucune autre information n'a ensuite été dévoilée sur le sujet. Pourtant, dans son ouvrage intitulé « Même le bruit de la nuit a changé », paru le 22 mars dernier aux éditions Flammarion, Violette D'Urso a fait d'amples révélations sur son père, grâce à une enquête poussée. Elle y révèle notamment que l'homme d'affaires avait une forte dépendance pour les drogues mais aussi pour l'alcool. Un mode de vie tragique, rempli d'excès, qui pourrait expliquer ce décès si soudain. Supérieur à Inès de la Fressange, sa fille Naïne D'Urso lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Inès de la Fressange, comment a-t-elle rencontré son compagnon actuel? Lors d'un entretien accordé à Paris Match en 2009, Inès de la Fressange avait évoqué non seulement son deuil mais également avoir retrouvé l'amour avec Denis Oliven. Un homme qu'elle avait rencontré par le plus grand des hasards. Il était venu skier avec ses trois fils. Nous sommes devenus amis et mes filles se sont super bien entendues avec ses fils, s'était-elle souvenue. Pourtant, alors qu'elle était encore endeuillée, cette dernière a cependant vu en cet homme tout ce dont elle rêvait. Un mec intelligent, cultivé, drôle et qui, en plus, aime ma progéniture, avait-elle signalé. J'ai eu la chance que nos chemins se croisent. Preuve qu'avec Denis Oliven, l'ex-mannequin a, au fur et à mesure des années, trouvé une épaule sur laquelle se reposer. Crédit photo, Indof Guirec.